Dans Dem brûlé, la femme de Jim dévoile son corps, on m'a tué le bras. Depuis bien longtemps, elle évolue dans l'ombre de son époux et le pousse à donner le meilleur de lui-même. Dans Dem s'est mariée à Jim en 2005, lui a offert 4 beaux enfants et sera là. Évidemment, pour le soutenir lors de la sortie de son prochain album, intitulé Les dernières volontés de Mozart. Le 2 décembre prochain. Si elle était apparue il y a quelque temps dans le clip du titre Tout donné. Elle préfère habituer la discrétion, elle qui a horreur de la starification. Mais sans elle, on peut dire que la carrière du rappeur serait bien différente. C'est ce qu'il assurait, récemment, alors que Magali Berda, la papesse du placement de produits, infiltrait les coulisses d'un concert du groupe Section d'Assaut pour lui poser quelques questions intimes. C'est quelqu'un qui m'inspire mais sans le savoir, ça je peux pas lui dire, expliquait-il. Mais elle est inspirante, on a l'impression qu'elle est tellement sûre d'elle et tout alors que pas du tout. C'est quelqu'un plein de doutes, c'est quelqu'un vraiment de normal. Plein de doutes. Plein d'incertitudes mais tellement intelligente, tellement avant-gardiste. Elle a beaucoup de bon sens. C'est quelqu'un de très logique. C'est quelqu'un de très simple. Guillaumet. C'est avec beaucoup de simplicité, donc, que la belle-sœur de Dadju a demandé de l'aide. Sur les réseaux sociaux, le mardi 29 novembre 2022. Tout juste sorti d'un salon esthétique. Dandem a constaté que l'un de ses bras était recouvert de taches claires, sorties de nulle part sans prévenir. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Les taches sont parties, questionne-t-elle. Paniquée. Malheureusement, poser une question de santé sur les réseaux sociaux est rarement une bonne idée et c'est ainsi qu'elle a eu droit, non pas à une solution, mais à un festival de mauvaises réponses. Allant du champignon, au soleil, à la crème, au vitiligo subi, en passant par le lait maternel. On m'a tué le bras au laser, a-t-elle donc rectifié. C'est des coups de laser qui m'ont brûlé. Merci docteur Rose. Un petit coup de vicodin pour faire passer la pilule.